Si vous cherchez comment parler de Don Bosco à des jeunes qui n'ont pas grand-chose à faire, j'ai une petite méthode que j'ai déjà testée à l'Alpi Bosco, qui est organisée par Don Bosco Action Sociale chaque été. C'est de leur expliquer que Don Bosco, qui est un éducateur, a écrit un livre sur un des jeunes qui l'a accompagné. Généralement, ça surprend beaucoup les jeunes. Le jeune en question, c'est Dominique Savio. Alors pourquoi Don Bosco a écrit un livre sur un jeune ? Ben c'est que ce jeune, il a fait comprendre à l'éducateur qui était Don Bosco que pour vraiment éduquer, l'éducateur a besoin du jeune. Donc ça veut dire que le jeune est coéducateur de lui-même. Mais ça va même plus loin. Le jeune devient coéducateur des autres jeunes. Et ça s'appuie sur deux éléments de la pédagogie salésienne qui sont peut-être un peu moins développés habituellement, mais qui sont pourtant très présents. Le premier, c'est l'amitié, qu'on appelle aussi l'esprit de famille. Si l'amitié, elle est seulement entre l'éducateur et le jeune, ça peut aller vers des dérives. L'amitié, il faut que ce soit vécu par chaque membre de l'équipe éducative, au sens des animateurs éducateurs, mais aussi des jeunes. Pas seulement entre adultes et jeunes. Ça, c'est le premier point, l'amitié. Et l'amitié, qu'est-ce que ça permet ? L'amitié, ça permet d'ouvrir la porte de la conscience. Alors ça, c'est très dangereux. Ça peut même être de la manipulation. Pourtant, c'est ce que faisait Don Bosco. Il parlait aux consciences. Et c'est comme ça qu'il arrivait à convaincre les jeunes de se changer eux-mêmes, c'est-à-dire de s'éduquer eux-mêmes. Alors comment Don Bosco faisait-il pour ne pas aller vers la manipulation et rester dans ce cadre plus noble, c'est-à-dire la responsabilisation du jeune vis-à-vis de lui-même, vis-à-vis des autres ? La réponse, c'est Jésus. C'est-à-dire que Jésus, pour nous chrétiens, il parle à la conscience, il parle dans la conscience, mais il agit aussi dans la conscience. Donc, Don Bosco, ce qu'il arrivait à faire, c'est ouvrir la conscience pour laisser Dieu passer et ensuite laisser Dieu agir. Et dans un deuxième temps, Don Bosco contemplait l'action de Dieu et c'est ce qu'il nous propose dans ce livre. Bonne fête de Dominique Savio à vous tous.